الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mes frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala, il a une tradition. Et la tradition, parmi les traditions d'Allah Azzawajal, c'est qu'il donne des épreuves à ses serviteurs. Allah Azzawajal nous dit dans son livre saint, Alif Lam Mim, Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, les gens vont-ils penser que nous allons les laisser dire je suis croyant sans qu'ils soient éprouvés? Mes frères et sœurs, dans les épreuves, il y a une grande sagesse. Et les savants nous disent que parmi les sagesses qu'il y a dans l'épreuve, c'est soit pour purifier le serviteur de ses péchés, ou c'est soit pour l'élever en degré. Et la preuve de cela, mes frères et sœurs, c'est que lorsque Adam, alayhi salatu wassalam, il a désobéi à Allah Azzawajal en mangeant dans l'arbre, Allah tabaraka wa ta'ala l'a puni, et de quelle manière? En le sortant du paradis. Donc l'épreuve d'Adam alayhi salatu wassalam, c'est qu'il a été sorti du paradis. Donc c'est pour ça que les savants nous disent que l'épreuve, elle peut être soit pour une purification, parce que ça c'était une purification pour Adam, parce que après cela, Adam, il a demandé pardon à Allah Azzawajal alayhi salatu wassalam. Donc l'épreuve, elle fait soit suite au péché, donc c'est pour nous purifier, ou mes frères et sœurs, l'épreuve, ça peut être pour nous élever en degré. À l'exemple d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a vu en rêve qu'il égorgeait son fils. Donc Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a voulu donc mettre en application cet ordre, parce qu'il voyait que c'était un ordre d'Allah Azzawajal. Donc il a fait quoi? Il a dit à son fils qu'il a vu donc dans son rêve qu'il l'égorgeait, et son fils lui a dit Ya abati if'al ma tu'mar, oh mon père, fais ce qu'il t'est demandé. Et donc il a voulu mettre en application ce rêve, et Allah Azzawajal l'a appelé Ayya Ibrahim, nous l'avons appelé oh Ibrahim, tu as certes été véridique avec le rêve que tu as vu. Donc mes frères et sœurs, et ça c'était pourquoi? Pour élever Ibrahim alayhi salatu wassalam en degré. Donc il faut que l'on sache, chacun d'entre nous, que les épreuves, il y a un bienfait dans cela. Et il faut que l'on comprenne qu'est-ce qu'Allah Azzawajal veut de nous à travers l'épreuve qu'il nous donne. Parfois, on est loin de la religion. On est loin d'Allah Azzawajal. On est dans les péchés. On est dans le mensonge. On est dans le mal. On est dans le vol, etc. Et Allah Azzawajal vient et il nous donne une épreuve. Ça, mes frères et sœurs, c'est un signal. Un signal, car Allah Azzawajal, il veut de nous que l'on revienne et que l'on se repente. Et il veut nous purifier pour ne pas nous châtier au jour du jugement dernier. Et parfois, on est bien dans notre religion, on est sur la droiture, et malgré ça, Allah Azzawajal nous donne une épreuve, et ça, c'est parce que Allah Azzawajal, il veut nous élever en degré au jour du jugement dernier. Et parfois, on voit des gens, ils sont très peu éprouvés. Et pourtant, c'est des gens qui font énormément de mal, énormément de tort. Ben, ces gens, Allah Azzawajal leur réserve un châtiment qui sera plus douloureux au jour du jugement dernier. Donc mon frère et soeur, lorsque le croyant il a une épreuve, il faut qu'il loue Allah Azzawajal. Il faut qu'il loue Allah Azzawajal, car c'est soit parce que Allah Azzawajal veut l'élever en degré, ou soit parce que il veut le purifier. Donc on demande à Allah Azzawajal de nous aider à être patient dans les épreuves. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, walhamdulillahi rabbil alamin.